Qu'est-ce que tu fais là? Je t'expliquerai. Oui, mais d'abord, toi, explique. Tu épouses Amélie maintenant? Je l'épouse Amélie? Comment ça, vous épousez Amélie? Quoi, vous savez déjà? Tu l'épouses? Écoutez, mes enfants, j'en ai assez de la misère. Tu ne comptes pas sur moi? Ne complique pas tout. J'ai 1200 000 francs. 1200 000 francs? Oh, mais asseyez-vous donc. Oui, mais il ne peut pas les toucher. Ah, comment ça? Bah, une idée de mon pauvre père. Il a laissé 1200 000 francs à mon oncle, qui me les remettra le jour de mon mariage. Alors, on se marie? Mais non, on fait semblant. Bon, ça. Oui, eh bien, ça. Oh, chameau. Il est chic, il est chic. Bébé. Oh, qu'il est chic. Très chic. T'es content? Non. Pourquoi? Parce que je m'en vais dans un quart d'heure et qu'on n'aura même pas le temps de se dire un dernier petit adieu. C'est vrai. Pendant 28 jours, ça va être le jeûne. L'abstinence. Et quand on va se quitter pour si longtemps, on se serrerait la main et voilà tout. Oh non. On ne se dirait pas un bon dernier petit adieu? Un bon petit dernier adieu. Un bon petit adieu dernier. Un petit bon dernier adieu. Un adieu bon dernier petit. Canard. De Paris. Oh, il exagère, vous savez. Oh, madame. Quoi, madame? Amélie. Évidemment. Alors, dites-moi quoi, voyons. Quand? Quoi, quand? Oui, quelle nuit, vous voulez. Hein? Oh, non. Vous avez une façon de vous coller ça dans l'estomac. Allons, allons, retirez la robe. Maintenant, sortez. Ah, ça, tu connes le radeau. Oh, mais vous me chatouillez. Moi aussi. Tais-toi, 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 tais-toi. Mon bébé, alors quoi? Ben, rien. Alors quoi, mon bébé? Oui, madame, mon ancienne femme de chambre. Tu as été femme de chambre, toi? Oh, crotte, je pensais plus que t'étais là. Oh, pardon, madame. Quoi? J'ai dit crotte. Comme le Seigneur fait bien les choses. Le prince est très généreux. Oh, mon ami me donne tout ce dont j'ai besoin. Oui, 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 mais à côté de tout, qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a tout, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Qui est énorme. Énorme. Amélie! Oh, tiens, Marcel! Oh, Marcel! Ben oui, Marcel! Qu'est-ce que tu fais chez moi, dans mon lit? Oh, ben c'est vrai, c'est comment que ça se fait? Oh, c'est ce que je te demande, traînant! Est-ce que... Quoi? Est-ce qu'on aurait couché ensemble? Couché ensemble, mais ça m'en a tout l'air! Oh, ben oui. Voici la mariée, votre altesse! Oh, monseigneur! Oh! Petite d'Avranche, vous gagnez du temps. Oh, mais monseigneur, vous n'y pensez pas ici, chez moi, les convenances. Non, nous ne sommes pas ici pour faire des convenances. Retirez la robe. Oh, déjà? Songez que depuis des éternités, vous me faites languir. J'ai compté chaque minute. J'ai essayé de dormir sur votre lit. Avec vos bottines? Avec, mais je n'ai pas pu. Je viens de recoucher. Allez, non, c'est pas le moment. Hein. Allez, 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 debout, debout. Allez, grouille, grouille. Oh, grouille, grouille, grouille. Oh, j'ai couché avec mes bottines. Bon, c'est vous? Mais vous n'étiez pas si blonde. Ah bah non, j'ai éclairci, je ne sais pas pourquoi. Et madame va bien, oui. Et monsieur? Monsieur va bien, pauvre monsieur. Voyons, enfin quoi, là, cette nuit, tous les deux, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas? Ensemble? Oui. Oh! Comment, tu te rappelles pas? Bah et toi? Bah moi non plus. Dieu seul le sait. Bon, je le connais, il dira rien. Bah alors, il n'y a rien de fait. Alors, comme ça, vous êtes devenue... Cocotte, oui madame. Oh, je t'ai pas faite pour être femme de chambre. C'est dommage, vous aviez un bon service. Ça, là, toujours. Voyons, Étienne. Oh, pardon. Amélie Pochet. Oh, ma pauvre enfant, mais comment avez-vous pu tomber, hein? L'ambition, madame. Oh, mais c'est vrai, maintenant, je me souviens très bien. Vous étiez coquette. Très coquette. Ah, ça, j'étais douée. Eh bien donc, alors quoi? Oh, bon, je ne sais pas, moi. Très bien. Cherche, cherche comme un chien. Oh, pardon. C'est moi, oui, je passais. C'est le chien que madame cherche. Oui, justement. Je ne sais pas si monsieur est visible. Oh, bah ça ne fait rien, je repasserai. Vous ai mis à vous parfumer. Ça oui. Avec mes parfums. Bah, avec mes gages, je ne pouvais m'offrir que ceux de madame. Vous m'empruntiez mes robes sans me dire. Oh, mais je leur mettais. Moi aussi, on a la même taille. Tu m'abandonnes jamais. Oh, toi consacré, j'adore. Si je t'aime ou si je t'aime. Si je vois.
si je souffre en toi. Oh, je dans mes yeux distraits, tu cherches à vivre moi-même. Tu voudrais savoir si je t'aime, mais je ne te le dirai.